cuit. Aujourd'hui, je vous propose une truite en papillote. C'est un poisson semi-gras, riche en oméga et qui fera un plat équilibré et savoureux. Les ingrédients pour deux personnes. Deux truites préparées, vidées par votre poissonnier. Un demi-concombre, une courgette, un oignon rouge nouveau, quelques lamelles de gingembre mariné, une cuillère à soupe de câpre, 15 centilitres de vin blanc, du sel, du poivre du moulin et pour accompagner 80 g de riz. Je commence par préparer mes papillotes. Dans un plat à four, je dispose une feuille de papier d'alu dans laquelle je dépose la truite. Puis, je prépare la garniture. Tout d'abord, le concombre. Je le débarrasse de ses graines et je le détaille en petits dés. Que je dispose sur le poisson. Je prépare ensuite la courgette. Je la découpe en lamelles. Et de même, je les dépose sur le poisson. Et je termine par l'oignon nouveau. Et je parsème sur le poisson. Il me reste à déposer les câpres. Les lamelles de gingembre. Je sale. Et je poivre. Un peu de vin blanc. Un filet d'huile d'olive. Et maintenant, je ferme mes papillotes. Et les mets au four à 200 degrés pour une trentaine de minutes. Pendant la cuisson des truites au four, je mets le riz à cuire dans une eau bouillante salée. Bien paré pour un service à l'assiette. Bon appétit les cuicuis.